dans ma vie, dans mon corps, dans mon sang, de me quitter, libère, sors, au nom de Jésus. Lève les mains, lève les deux mains, restez calme. Esprit de Dieu, esprit de puissance, tu as vu le besoin de mon frère et de ma soeur. Tu connais le besoin de leur vie. Je prie dans le nom de Jésus que ce que l'homme ne peut pas leur donner, que tu leur accordes. Que tu leur accordes. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. J'ordonne à ce que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Recevez la vision du Seigneur. Comprenez le don de votre vie, les talents de votre vie, et que personne ne vienne encore vous le voler. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Esprit de Dieu, viens maintenant sur vous. Reçois. Mon frère, reçois. Reçois de Dieu. Reçois de Dieu. Elle descend sur toi. Ma soeur, elle descend sur toi. Elle reçoit de la grâce de Dieu. L'Esprit descend sur vous. Elle reçoit. Recevez. Elle vient. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu visite ta vie. Sois touché par sa grâce. Au nom de Jésus. Je prie grâce. 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 Que le Seigneur te fasse voir sa grâce. Plus jamais la même personne. Au nom de Jésus. Plus jamais la même personne. Au nom de Jésus. Plus jamais la même personne. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur te console, mon frère. Il console ta vie. Plus jamais la même personne. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne gloire, élévation et stabilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la consolation, ma soeur. Aide-la. 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 Reçois la consolation au nom de Jésus. Reçois la consolation au nom de Jésus. Le Seigneur te visite, mon frère. Que la grâce et la force de Dieu soient dans tes mains. Je vois la gloire, l'élévation, l'établissement. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu visite ta vie. Que Dieu visite ta vie. Non, si tu sens que tu vas te bénir, tu peux t'asseoir. C'est pas question de Thomas. Reçois la grâce au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Chantez avec nous. Chante avec nous, c'est le chante avec nous. Je vais son nom. Jéhovah.
à lui. Ne promène pas ton esprit. Dis simplement à Dieu, aide-moi à maintenir ce que je viens de recevoir de ta part. Car de moi-même, je ne peux pas retenir tout ce que j'ai reçu ce soir. Mais toi, ton esprit, que ton esprit m'aide. Pour récupérer et pour être rétabli dans son état initial. Laisse l'esprit t'aider. Il y a longtemps que tu as souffert. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour connaître cette difficulté. Si Dieu t'a établi avant que tu ne sois né, il dit les projets que j'ai pour toi sont les projets de paix, de bonté, de succès. Mais mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que nous souffrons? Il a promis de ramener toutes choses. Il dit, je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël.
et je les rétablirai dans leur état initial. Peut-être financièrement tu as été amené en captivité, maritalement tu as été amené peut-être en captivité, sur le plan santé tu as été amené en captivité, mais ce soir Dieu t'a fait la grâce de récupérer toutes ces choses. Sois rétabli dans tous les domaines, sois rétabli. Rien ne peut annuler la parole de Dieu. Que l'honneur soit à lui seul, lui l'alpha, lui l'oméga, créateur de toutes choses, que la gloire lui revienne à lui seul, au nom de son fils unique Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur. Acclamons notre roi, le roi de tous les rois. Le roi de tous les rois, la Philippine, même ceux qui se réclament roi, il fait la suite de tous. Il est uni. Faites-vous la soif présente de notre Dieu pour l'instant. Parce qu'elle soit bénie. Alléluia. Nous sommes au deuxième jour de la récupération. Le thème, c'est 3 jours de récupération. Ceux qui étaient là hier ont repéré, ils ont identifié, ils ont pris. Aujourd'hui encore, vous avez récupéré, vous avez identifié, vous avez récupéré. Demain, ça sera le comble, ça sera la fin. Parce que la cage qui reste maintenant pour être rétablie, cette cage, elle est étroite. Demain, il suffit que tu sois là pour prendre cette petite partie-là. Alléluia! Amen. Qui est béni ce soir? Alléluia! Nous avons été suffisamment bénis. Amen! Nous allons aller rapidement, mais je crois après ce qu'on va faire tout à l'heure, il y aura d'autres passages. Mais je voulais vraiment dire merci au pasteur pour ce message. Ça nous a fait du bien. Je vais inviter ici l'homme de Dieu. Avant de continuer de présenter les autres hommes de Dieu, je vais inviter le pasteur Josué qui va nous conduire dans un temps. On va acclamer le Seigneur pour la vie du Seigneur de Dieu. Alléluia! C'est vrai, je n'étais pas encore présenté. Tu es venu en retard. Alléluia! Alléluia! Je dis sorry! Alléluia! Donc, le pasteur Josué. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je crois que c'est le mot qui convient. Il ne faut pas chercher beaucoup de détours. Il faut seulement dire sorry. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et merci beaucoup, pasteur Maps. Nous avions été richement bénis. Amen. Je crois que je n'ai pas à faire encore beaucoup de commentaires, mais nous voulons lire quelques versets qui va nous aider à faire ce qu'il faut faire. Nous ouvrons la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 35. Je te donne comme un devoir, comme on nous a dit de lire la Bible et comme on a l'habitude de la lire, mais il faut vraiment être sérieux quand on lit la Bible. Amen. Alors c'est un devoir, mais un devoir à domicile. Tu lis le livre d'Exode, le chapitre 35, tu commences à partir du verset 4, allez-y jusqu'au verset 35. Et tu lis également les chapitres 36. Mais nous allons lire seulement quelques versets, je pense 2 ou 3 versets. Nous commençons à partir du verset 5. Au verset 4, nous commençons par le verset 4, la Bible dit ceci. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Amen. Amen. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Dis après moi, une offrande pour l'Éternel. Une offrande pour l'Éternel. Alléluia. L'offrande est pour l'Éternel. L'offrande est pour l'Éternel. Merci beaucoup. Prenez-y ce qui vous appartient.
chrétien, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Et tchétchéri et tchétchéra. Amen. Le verset 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur, animés de bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Amen. Nous lisons les versets, les derniers versets, chapitre 36. Moïse, verset 6. Exode 36, verset 6. Moïse fut publié dans les camps que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrande pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter les objets préparés, suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train d'exhorter au peuple de Dieu d'apporter une offrande à l'Éternel ce soir. Alléluia. Amen. Vous savez, l'offrande, c'est la clé de beaucoup de choses. Amen. Amen. Si quelqu'un sait offrir à Dieu quelque chose, alors il va ouvrir même sa vie. Alléluia. Ici Moïse dit, prenez ce qui vous appartient. Alléluia. L'offrande ne peut provenir que si c'est qui vous appartient. Dis après moi, ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est qui m'appartient. Moïse dit, l'Éternel dit ceci. Prenez ce qui vous appartient. Ne prenez pas ce qui appartient à autrui. Parce que ces derniers temps, quand on donne des offrandes, on prend ce qui appartient à autrui. Ils ne voient pas, mais je prends quand même, je vais apporter à Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit ici, prenez ce qui vous appartient. Quand nous voulons donner l'offrande à Dieu, nous devons prendre ce qui nous appartient. Qu'est-ce qui nous appartient? Moïse dit ici, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, et tchétchéri, et tchétchéra. Beaucoup de choses nous appartiennent. Et Dieu en a besoin. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ton argent. Dieu a besoin de ta voiture. Dieu a besoin de ta banque, comme on nous a prêché ici. Dieu a besoin de tout ce qui t'appartient ce soir. Alléluia. Amen. Tout cela était pour quoi? Était pour la construction du tabernacle que Dieu avait donné comme révélation à son serviteur. Alléluia. Vous savez, bien aimé, c'est important de venir devant Dieu. C'est important d'écouter la parole du Seigneur. Vous savez que la parole du Seigneur, c'est une nourriture spirituelle, n'est-ce pas? Donc, c'est important de manger cette nourriture parce que nous sommes dans un restaurant ici à l'église. Alléluia. Nous avions mangé. Et quand on termine au restaurant, il faut faire quoi? Il faut payer. Alors l'offrande, c'est un paiement que nous donnons à Dieu. Alléluia. On ne paye pas l'argent d'autrui, mais on paye l'argent de soi-même. Tu m'invites dans un restaurant, après avoir mangé, tu fais entrer ta main dans ta poche, tu fais sortir l'argent et tu payes. Alléluia. Et on a bien mangé. Cette nourriture, pasteur, ça m'a révolté. Tu me verras atteindre mes objectifs. Je te les promets. Amen. Alléluia. Amen. Et comme ça m'a révolté, il faut que je paye. Et je suis prêt à payer. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien pour rien. Il faut toujours payer. Et c'est vrai. Sinon, si y avait des fruits partout, comme on dit, il y a fruits. J'allais entrer dans une station ici, je fais remplir le pétrole, je m'en vais. Mais quand je parle comme ça, on prend mon... Vous comprenez? Et après, je suis dans le carnet rouge. Amen. Alors, je ne veux pas que tu sors dans le carnet rouge ce soir. Alléluia. Dis, je ne veux pas être dans le carnet rouge ce soir. Donc, je vais payer. Dis, Dieu, je vais payer ce soir. Parce que j'ai mangé et je dois payer. Alléluia. Amen.
Nous n'allons pas aller de gauche à droite chercher. Il y a une maman qui est tombée et puis il est touché et il ramène l'offrande. Non, ce n'est pas comme ça. Tu as mangé, tu as été rassasié, tu as acclamé le Seigneur et on paye. Alléluia. Donc c'est ça la réalité. Et la Bible dit, quand toute l'ensemble d'Israël a écouté cette parole, Israël était touché. Alléluia. Ils se sont décidés de bon cœur et ils ont commencé à apporter leurs offrandes. Alléluia. Et au verset 36, pardon, chapitre 36, ce qui m'a étonné, ils ont amené des offrandes. Amen. De l'or, de l'argent. C'était vraiment terrible. Alléluia. Et au verset 6, Moïse se met debout et il publie une ordonnance pour dire, écoutez-moi mes bien-aimés, arrêtez un peu de donner les offrandes. Ce soir, nous voulons que Pasteur Maps, Pasteur Michel Doué, Pasteur Vincent puissent arrêter les gens. Écoutez, c'est fini, ne donnez plus comme l'a été le cas de Moïse. Est-ce que ça peut se faire ce soir? Est-ce qu'on peut donner au-delà? Parce que les enfants d'Israël ont donné au-delà. À telle enseigne que Moïse a stoppé. Il dit en tout cas, ça suffit. Alléluia. Bon, je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis ici, depuis que je suis homme sur la terre, je n'ai jamais vu un pasteur stopper les offrandes. Mais on peut essayer. Alléluia. Mais bien aimé, nous devons mettre Dieu à l'épreuve. Quand on donne, on peut repérer. On peut récupérer et on sera aussi établi dans les domaines financiers. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous voulons donner à Dieu comme l'a été dans l'ancien temps avec les enfants d'Israël. Ils ont donné et Dieu les a bénis. Aujourd'hui, ce sont les multimilliardaires, les juifs que vous voyez. Parce qu'ils savaient donner à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons aussi donner à Dieu. Parce que nous sommes au moment de la grâce. Amen. Prenez cette enveloppe. Mettez maintenant quelque chose, une offrande que vous voulez payer au restaurant de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est comme le cuisinier. Et le Saint-Esprit est en train de se promener avec les plateaux pour vous remettre quelque chose. Alors toi comme serviteur, tu veux répondre à cet appel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Prenez déjà les enveloppes. On nous amène les paniers d'enveloppes ici. Les paniers des offrandes. Prenez ton enveloppe. Lève ton enveloppe. Nous allons prier le Seigneur. Prie après moi, Seigneur des anges. Merci de m'avoir exhorté. Je vais faire plus que les enfants d'Israël ont fait. Dans les déserts, ils n'avaient rien. Mais ils ont donné jusqu'à ce que Moïse a publié une ordonnance pour arrêter d'apporter les offrandes. Et moi, aujourd'hui, je vais faire mieux que ces enfants d'Israël ont fait à l'époque. C'est pourquoi, oh Dieu, bénis mon offrande. Bénis la source de mon offrande. Elle est la source de ma vie. Seigneur de gloire, je vais repérer, je vais récupérer pour être établi. Je crois à cette parole. Laisse que ta parole s'accomplisse ce soir dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et comme ça, nous allons donner, nous allons payer ce qu'il faut payer pour la gloire de Dieu. On commence à payer maintenant. Je te veux, je te veux, je te veux, je te veux.
Je vais demander à notre doyen de prier pour les offrandes que nous venons de faire. Oui, nous te rendons grâce pour ta parole. Tu nous as donné ta parole pour nous guérir, pour nous libérer et nous transformer. Nous voulons être reconnaissants en retour en t'apportant ces offrandes. Nous te prions de les accepter et les bénir abondamment pour ton œuvre. Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Bénis tous ceux qui ont donné avec joie. Et ceux qui n'ont pas encore compris le bien fondé de donner, nous te prions de les convaincre toi-même, afin qu'ils entrent dans ta bénédiction. Louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vers la fin, avant de remercier les serviteurs de Dieu, je présenterai ceux qui nous ont rejoints pendant que nous étions en train d'écouter le message. Mais pour l'instant, nous avons un frère qui est au milieu de nous et qui a fait un CD et qui a accepté de venir nous soutenir pendant que nous faisons le séminaire. Donc il va nous présenter deux de ses morceaux. Je vais inviter ici son manager qui va l'introduire. On va acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère. Merci Seigneur. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Et comme le pasteur vient de le dire, c'est un jeune frère qui vient de faire sortir son CD. Et en ce moment précis, il fait vraiment un tapage au niveau d'Abidjan. Et il parle du Seigneur. Il s'appelle Denver, le boucantier de Jésus. Si vous savez que... Voilà, donc on salue, c'est Denver qui arrive après les États-Unis, la France. Il est maintenant à Londres, il réside à Londres pour la promotion de son CD. Et en ce moment, il est en studio pour le deuxième. Alors on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Si je n'ai personne, mais Jésus est mon sauveur. Et ça, c'est très important. Allez sur les agneaux. La gazou en agneau, et n'ignon kaosou en agneau. Et on répond, la gazou en agneau, ça veut dire que Dieu soit mon ami. Amen. Et n'ignon ka, gaye la gazou en agneau, Abraham la gazou en agneau, la gazou en agneau, la gazou en agneau, la gazou en agneau, Abraham la gazou en agneau, la gazou. La gozu le nanyo, la gozu le nanyo, Eli la gozu nanyo, la gozu le nanyo, Abraham la gozu nanyo, la gozu le nanyo, Geye la gozu nanyo, la gozu nanyo, Geye la gozu nanyo le, la gozu, Abraham la gozu nanyo. L'oublié du Seigneur qui contribue dans sa maison et qui bâtit un temple pour louer le Dieu d'Israël. Et là, on parle des cotisations. Il faut cotiser dans l'œuvre de Dieu pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est très important. On tape la main, que Dieu vous bénisse. L'oublier du Seigneur qui contribue dans sa maison et qui bâtit un temple pour louer le Dieu d'Israël. Vénérons-nous grâce au Seigneur qui nous envoie sa sainte parole. On veut que nous soyons tous achetés pour élaver du frère prospère. Ça repart à Salomon, l'Éternel te bénira. Jéhovah ne t'oubliera jamais. Hey!
Disponible, vous pouvez les avoir maintenant s'il vous plaît. C'est à 5 livres que le nom de Jésus soit glorifié. Et toutes les églises francophones, profitez pour inviter ce jeune, car il a de l'avenir, soutenez-le, que toute la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Alléluia. Le manager dit, le site dit, le côté saint dit. Alléluia. J'étais prêt à dire 15 lignes, là il a pris 5 lignes. Donc ça m'a surpris. Donc je pense qu'on ne peut pas sortir de cette salle sans toutefois prendre ceci dit. Non seulement ça glorifie Dieu, mais ça encourage celui qui chante le nom de Dieu. Alléluia. On doit vider nos... Vous les connaissez. Dans nos salons, on a trop de cassettes ménagées qui font qu'on fait du cauchemar. Alléluia. On doit avoir les cassettes qui parlent de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais présenter les serviteurs qui nous ont rejoints. Je vais présenter la servante de Dieu, l'évangéliste Augustine. Alléluia. Elle est passée. Elle est avec le serviteur de Dieu. Monsieur Parois. Alléluia. Soyez bénis, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir d'avoir ces hommes de Dieu parmi nous. Mon frère José, il est déjà passé, on ne peut plus le présenter. Il ne faut pas que tu sois tout présenté. Alléluia. Amen. Il y a un programme important aussi, je crois que on nous avait déjà envoyé des lettres, des courriers, mais le serviteur de Dieu lui-même, il est là. Il va un peu nous donner les détails. Nous sommes tous invités à cette convention qui débute dans le mois de, au début du mois de juin. Je vais laisser la place au serviteur de Dieu pour un peu aller dans les détails. Alléluia. Veuillez m'excuser pour le retard comme mon jeune collègue l'a si bien fait. Sorry. J'aime beaucoup être à l'heure, mais il y a souvent certains circonstances qui font qu'on prend du retard. Veuillez préciser. J'aime beaucoup Pasteur Vincent et je veux toujours être à ses côtés et surtout être à l'heure. Je remercie aussi le serviteur de Dieu pour l'occasion qu'il me donne de vous parler de la grande convention que la Mission évangélique internationale de la restauration organise du 1er au 3 juin avec l'apôtre Béo Lucien qui vient de la Côte d'Ivoire. Cette convention...